Hey, salut tout le monde, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolé, j'ai été vraiment très occupé ces derniers mois à préparer un projet un peu personnel. Et aujourd'hui, je voudrais quand même vous emmener, alors j'ai plein de trucs à monter et plein de trucs à vous montrer, ça fait plus d'un an que j'ai plein de rushs qui sont pas montés dans mes tiroirs, mais tant pis. Aujourd'hui, je prends le temps de vous emmener sur un nouveau format, je vais laisser plus la caméra parler et faire une vue de l'intérieur de ma journée de lundi dernier. Lundi dernier, je suis parti me faire le sud des Bauges en vol rando. Donc, ça a été toute une journée de vol rando. J'ai fait 5 vols. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Je voudrais juste poser un petit disclaimer. N'oubliez pas que même en vol rando, on ne peut pas se dédouaner d'avoir les autorisations des lieux de décollage et d'atterrissage. À bon entendeur, salut et profitez bien de la vidéo. À la prochaine. Ciao! Aujourd'hui, je pars pour un trip en marché vol. Je me fais un petit kiff de faire tous les décos sud du sud des Bauges. On va voir ce que ça dit. On commence par une petite montée au Cire. Voilà, on arrive au Malpassant. Et là, on commence à voir la vue du Bourget. C'est l'heure du premier choix. Soit je file à Montbazin et sous la croix du Nivolet, soit je monte au Cire. Donc merci Pedro pour ce poter. 14-18, ouais, ça fait sans problème au Cire. J'ai pas besoin d'aller à la croix du Nivolet tout de suite, on va y aller en volant. C'est parti. On arrive au chalet du Cire. 1h03 qu'on monte, 1000 mètres de dénivelé. C'est beau. Il n'y a plus qu'à monter. Là-haut. Donc l'idée c'est soit on passe la croix du Nivolet et on plonge derrière le plus loin possible pour aller jusqu'à la pointe de la Galope, soit je pose dans les champs à Montbazin en dessous là. Faut que je revienne sur mes pas juste là-bas et que je reprenne le sentier qui est là, là, tac, 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 pour aller décoller là. Nickel, impeccable. Magnifique ces petites falaises ici. C'est raide sous la croix quand même. J'ai fait qu'une fois ce chemin, je crois. Il est magnifique. Ouais, je suis pas encore arrivé à mon déco parce qu'en fait c'est un peu plus loin que ce que je prévoyais. Et je vais passer par le haut, juste sous la croix du Nivolet. Voir si ça le fait. Parce que je sais que ça décolle aussi là-bas. On va voir là où j'arrive. Bon bah l'option à laquelle je pensais est pas bonne. C'est un petit peu court pour décoller, disons que c'est pas assez alimenté pour vraiment faire un truc bien pour l'instant. Donc je vais tenter autre chose plus bas. On va voir si je trouve un beau déco. Oh.
Alors, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible par là. Sans arriver à l'Oveta ou à Monterminio, le plus loin possible. Et de monter à la pointe de la Galap qui est à gauche là-bas. Et après de remonter au Margeria. Voilà, j'y suis arrivé. Hein. Cool. Je suis remonté là-bas. Bon, bah, je suis baisé parce que la boulangerie elle est fermée à Saint-Jean-d'Arvais. Donc, je suis vraiment niqué. Je pensais que je trouverais à bouffer ici. Bon, il va falloir juste que je me tape les 3 barres de céréales. J'en ai déjà bouffé une et 2 compotes. Donc, ça va faire juste pour la journée. J'ai pas trouvé de flotte non plus. Bon, il me reste 2 litres d'eau. Je vais toquer chez l'habitant au bout d'un moment. Mais le plus déprimant, je crois, c'est qu'il faut que je descende tout au fond du trou. Et après seulement, je commencerai à monter là-haut. Oh, comme quoi, je voulais vraiment traverser la barre, hein, mais c'est pas possible. Il y a un chemin qui traverse à gauche. C'est magnifique comme endroit. Je connaissais pas ce trou de l'enfer. Superbe. Allez, go! Cool, passionnant. Superbe. Pas bien là, franchement. Voilà, Margeria, le poney, et bon, ok, derrière les arbres à galop, là où je vais, il me reste 1000 de plus à peu près. Moi ouais, je me fais une petite pause parce que je suis vraiment quand même cassé là. Et on appuie gros, on va monter là-haut. J'ai vraiment la dalle. Bon. Voilà, ça commence à tirer salement là. Je vais remonter de la galop. Et... Pff. Ouais, ça fait déjà 2 heures que je suis parti de Saint-Jean-d'Arvais en fait. Mine de rien, je pensais que je mettrais 2 heures à monter. Ça va plutôt être 3. Bon. Ok. Trop bien cette application Sunto, sans déconner. Quand on en est à s'arrêter dans la montée, c'est que le jeu commence à descendre salement. Ouais, 1040 D+ depuis le départ de... Saint-Jean-d'Arvais. 2h30. Les mouches m'emmerdent. On voit le sommet. La fin de la galope. Là. Je suis ravagé. We'll be right back.
s'il y avait un ou deux thermiques, ce serait vraiment bien. Plutôt que de me fâcher comme un crétin là-bas. C'est un peu une décision difficile là, est-ce que je laisse glisser et... Ouais, c'est chaud là. Passe pas, putain, il me manque 10 mètres. Ça, je comprends pas. 7 balles, ça va faire mal. Oh, c'est un peu brutal, hein. Et ben voilà, ça c'est fait. Je suis juste là. J'ai plus qu'à récupérer le chemin du col de la Verne. Et paf, on sera en Margeria. Ouais, paf, avec combien de mètres de dénivelé? Je suis juste au niveau de 950 et je monte à 1800. Ok, allez. Bon, bah, je fais un peu de jardinage pour arriver à la route juste en dessous. Et voilà. J'ai soif. Ah, ça y est, là-haut. J'en chie toujours autant. Et je dois appuyer comme un troll du nombre de mouches qui tournent autour. Insupportable. Ouais, c'est le capteur partout. N'importe quoi. J'ai plus qu'à monter là-bas. Sinon c'est l'école de là, mais j'ai pas envie de... de me reposer, de monter un peu plus pour aller un peu plus loin après. Allez, courage, on est arrivé, c'est magnifique, comme d'hab. Ça souffle assez fort, mais je pense que ça fait. On va découper. C'est beaucoup mieux là. Chier pour décoller du Margeria, horreur. Ouais, il faut glader le plus loin possible, mais je crois que c'est le plus loin possible. Même pas si ça passe les arbres encore devant. J'aurais bien aimé arriver plus haut là-bas. Ouais, ça va passer les arbres, je vais pouvoir poser là-bas. Comment ça se passe, ça dit quoi? Et voilà, on a essayé, on est à la Fécla, je
suis en train de remonter aussi hier. Plus de 3 km. Un petit vol. Ça, c'est vrai que ça va peut-être boucler. Il me reste la petite montée jusqu'à Cire Sud. Normalement derrière, ça boucle. Les hirondelles qui s'éclatent. Là-bas, le petit vent du sud qui va bien. Ça va faire. Journée dans on arrive à la voiture, ça y est, énorme journée, j'en ai plein les pattes, je suis bien fatigué, j'espère que l'aventure vous a plu, je vous dis à bientôt, avec la petite pisse, c'était quand même fort bon, allez, ciao.